C'est pas bon. Mais ils vont voir. Et regardez la Bible de l'Ouest. Petit à petit, les gens sont en train de s'occuper de ta gare. Parce que c'est pas une bonne chose. Mais les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Le français parle. Le français parle. Tous les pays qui sont dedans vont quitter. Avant, on avait peur. Donc, on n'oubliez pas ça. On avait peur. Parce que mais le premier texte que j'ai pas publié sur le français pas, vous dites qu'il n'est pas bon. C'était en 1984. En 1984. Il y en a qui ne sont pas encore nés. Il y en a qui ne sont pas encore nés. J'ai demandé à un étudiant, j'étais en France, en exil, j'ai demandé à un étudiant en économie de me faire un petit texte, parce que l'écrivain camerounais Mombo Betty avait une revue, Peuple noir, peuple africain. Je lui ai demandé de me donner un numéro. Ce numéro était spécial Côte d'Ivoire. Et dans ce spécial Côte d'Ivoire, j'ai fait publier un article sur le français. L'article a été signé par l'étudiant là, qui a signé Lucien Kwame. C'était le photo. Il a signé Lucien. On te dit aussi avec eux. Nous tous on en a peur. Mais si vous regardez Lucien parler, c'est comme l'homme, non plus haut, qui était son vrai nom. Et c'est comme Laurent Poudou, qui était mon vrai nom. Donc, on a mis une signature qui était fausse, mais dont les initiales cachaient le vrai. Donc, Lucien Fahmé, comme Laurent Pio, comme Laurent Boudou. Et à tout dire. 1984, déjà, j'ai dénoncé le français pas. Mais, en ce moment-là, on avait peur. Donc, on faisait comme ça. On peut dire, il y en a des vies. Parce que maintenant, tout le monde sait que c'est pas bon. Donc, maintenant, tout le monde sait et tout le monde le dit. Et je vous dis, regardez d'ici 10 ans, vous allez voir qui est encore à Dakar, qui est encore à la BCAO de Dakar. Les gens vont quitter un à un. Un, sinon, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Bon, mais dans quelques mois, nous allons voir. Nous allons voir. Oui, je suis là. Je suis à vous.